Le RMR Pool A, Pool B sont terminés. La semaine dernière, j'avais traité l'Asie et l'Amérique du Nord, mais on va quand même en parler tout de suite un petit peu. Et là, on va surtout parler du RMR A qui s'est terminé et du RMRB avec les équipes qui se sont qualifiées donc pour le Major. Avec Valve qui a fait absolument n'importe quoi. Changement des règles en cours de tournoi ou en tout cas mauvaise communication à ce sujet. Vous voulez échanger vos skins Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malex pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Comme vous pouvez voir, les équipes qui n'y participeront pas sont euh, par exemple des équipes notables euh, Bedboom, qui sont euh, quand même une belle équipe du tiers 2 qui n'y a pas réussi à s'y qualifier. Signers également, euh, Nemiga, sau so, les Portugais, Falcon. Surtout qui échoue en, en une victoire seulement. Hein. Falcon, ouais, une victoire, trois défaites, c'était compliqué. Vitality qui réalise un parcours parfait 3-0 avec Mouse. Franchement, sur cette poule A, je pense que c'était plutôt, plus ou moins quand même, ennuyeux. Il euh, y avait un déséquilibre de niveau vraiment marqué entre les grosses teams et les petites teams, et en réalité, il n'y a pas eu de grandes, grandes, grandes surprises. Vitality, Mouse Navi Phase, Cloud9, Fnatic avec Body, ça faisait 4 ans qu'il euh, galérait à se qualifier, et enfin il a réussi. On est vraiment très content pour Body qui faisait partie quand même de ce projet 3D Max, euh, donc euh, il fait partie de la famille. Gamer Legion qui vient prendre son dernier slot, ça aurait pu être Falcon ou quoi, mais bon, Gamer Legion reste une écurie très solide et qui sait très, très bien. Renouvelé. Parlons maintenant de la poule qui s'est vraiment disputée de bout en bout avec beaucoup de suspense. Vraiment des hauts et des bas dans tous les sens. Et on parle de 3D Max qui réalise un exploit complètement fou de se qualifier, mais de se qualifier en plus avec un parcours parfait. 3 à 0. Voilà, 3 matchs, 3 victoires. Big, de son côté également, réalise cet exploit-là. C'est quand même inouï ce qui s'est passé. Et euh, on n'a pas eu non plus de grandes surprises. Si on peut déplorer, euh, je pense. Oh, je suis un peu biaisé, mais si on peut déplorer une équipe qui ne s'y pas qualifiée, je dirais que c'est Eternal Fire quand même, les Turcs qu'on attendait avec Major qui est français. Donc forcément, Eternal Fire, je le disais, on est biaisé. Astralis qui a joué avec un stand-in, donc quatrième Major consécutif que Astralis va manquer, euh, alors que je pensais vraiment qu'Astralis allait s'y qualifier. Mais malheureusement, news de dernière minute, Device était absent, Burnout... Total stress, choc post-traumatique, vraiment il est dans un trauma de ouf. Il a fait un tweet où j'ai expliqué ça la semaine dernière. Où le mec vraiment il fait des cauchemars la nuit, il se lève en sueur, il n'arrive plus à dormir, c'est un truc de malade. Donc euh, c est, c est, son ex l'a absolument détruit euh, psychologiquement. C'est complètement ouf. Euh, de l'autre côté, bah, on a Virtus Pro, G2, Héroïque, Spirit qui s'y qualifie très très difficilement. Spirit, trois victoires de défaites. Mais ils ont joué, ils ont eu des tirages vraiment complicados aussi côté spirit. L'exploit de ce major-là, en plus de 3D Max, en plus de Big, c'est Passion UA qui va participer pour la première fois euh, au major, euh, une équipe du Tier 3 ukrainienne avec Jumbo que je vous euh, conseille de regarder très fortement, c'est une prochaine pépite. Et donc Passion UA qui s'est qualifiée. Voici la liste intégrale de toutes les équipes qui se sont qualifiées au major, donc les 24 équipes, les 24 stickers Qui va y avoir dans le jeu avec des premières apparitions pour Wildcard par exemple, Passion UA. Reratom, les Chinois, FlyQuest, l'équipe australienne, et euh, sinon tous les gros sont là, hein. tous les gros sont au rendez-vous. Hein. Navigé 2, Vitality, Spirit, comme vous pouvez voir, Moose, Face, Heroic, Furia, tout le top international de toutes les nations sont représentés. Vraiment, il y a de tout. Je suis très content également pour ce RMR Asie qui a eu lieu parce que vous voyez, on a une équipe mongole, on a une équipe euh, donc FlyQuest avec des Australiens, et on a une équipe Reratom avec des Chinois, ce qui veut dire que le continent asiatique est représenté dans trois nations euh, au minimum différentes. C'est vraiment une très 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 bonne nouvelle pour euh, on a de la, on a du Sud Américain aussi avec des joueurs d'Amérique du Sud Guatémaltèque chez G2 Malb on a du Brésilien chez Furia chez Imperial on a des Américains bien évidemment chez euh, Liquid etc et donc et chez Complexity il y a de tout. Il va y avoir du français, il va y avoir absolument de tout à ce major. C'est absolument incroyable. Laissez-moi d'ailleurs vous parler du taux de participation des joueurs français, qui, ce qui n'était pas arrivé depuis... 4-5 ans à peu près euh, depuis euh, l'ère où toutes les équipes étaient entre guillemets encore francophones, Vitality full française, G2 full française, où il y avait bah, 10 joueurs qui participaient qui étaient français. Et bien c'est la première fois depuis un paquet d'années où pour ce Major Shanghai, regardez tout en bas, on va avoir 8 joueurs français qui participent à ce Major. Apex Ziwu, euh, pour les derniers Majors, regardez, euh, Apex Yiwu, Apex Ziwu, Apex Yiwu étaient nos seuls représentants français. Aujourd'hui on va avoir BODY qui est euh, chez Fnatic et on va avoir la petite line-up de Zinzin chez 3D Max qui vont nous représenter aussi sous écurie 3D Max avec staff français également derrière, c'est une excellente nouvelle on peut déplorer comme je le disais que majeur manque ce, ce major le franco-turc qui représente la France et qui, qui représente quand même la Turquie il n'y aura pas donc de turc à ce major là, c'est vraiment euh, dommage, j'aimerais euh, d'ailleurs vérifier quelque chose, il n'y aura pas de danois hein. il n'y aura pas de danois à ce major là, on n'aura que quelques petits participants, Kariga euh, par exemple, chez FaZe, quelques joueurs également chez Heroic euh, qui sont danois, mais on n'a pas de, de joueurs d'équipe de, de 5 danois comme c'était le cas avant. avec euh, Par exemple, c'était la nation la plus représentée euh, avec les Russes, bien évidemment, parce que là va y avoir du Virtus Pro, va y avoir du Spirit, etc. Donc euh, les CIS, eux, ils ont de beaux jours devant eux. Pour marquer l'exploit de ce RMR et de cette qualification, on a un, eu un superbe article de la part de euh, l'équipe. Euh, voici le titre Counter-Strike 3D Max pour le Major de Shanghai après un RMR aux multiples surprises. Et oui, en parlant de surprise, regardez ce qui s'est passé. RMR a se joue sous quatre jours, 4-5 hein, jours de compétition avec des euh, des classements euh, définis par le tie-break. Donc des joueurs qui doivent se euh, jouer ensemble avec les mêmes scores pour définir qui est la quatrième place pour avoir le slot légende. Euh, et donc. Pool A, tout se passe bien. Pool B, un jour de compétition, deux jours de compétition, puis trois jours de compétition avec 3D Max qui bat G2 en BO3 et donc on, on va vers le, le 3-0, on l'a, on l'obtient, on va directement au Legend Stage, Big fait exactement la même chose, et là, communiqué de la part de Valve, qui décide de changer le règlement en cours de compétition, c'est la folie totale, et ce n'est plus en fonction des résultats au RMR, que ton, euh, ton appartenance au slot Legend ou à l'Opening Stage est définie, mais... En fonction du classement valve. Donc laissez-moi vous expliquer tout ce bordel. Mais avant ça, on va euh, avoir le sourire quand même et de vous parler. Eh bien de Joko qui nous fait une petite vidéo en direct de la Chine pour nous révéler, par exemple, potentiellement sa prochaine signature de sticker. Parce qu'on aura le sticker 3D Max. On aura les signatures des joueurs que vous pourrez acheter. Et sachez que ça soutient euh, les joueurs directement. Donc regardez ça. Ah ouais, est comment ce sticker Alors ah ouais, c'est très simple très simple tu commences comme ça avec un D le J qui part en dérapage petit cœur pour les rageux et voilà voilà donc euh, le petit dérapage et le petit cœur pour les rageux, petit sticker Joko par exemple. Euh, ça pourrait être une petite esquiche de ce que vous pouvez avoir. Parce que pour le moment, rien n'est révélé. Au moment où j'enregistre cette vidéo en tout cas. On a le maillot 3D Max également qui, est, qui a été révélé pendant ce major là. Donc voici euh, le maillot avec une édition particulière. C'est une édition spéciale pour la participation à Shanghai. Euh, avec un style vraiment classique, corové. On a voulu faire un, un design tout old school. Euh, qui donne très très bien en noir et blanc. Il y a des gens qui déplorent le manque un petit peu de rouge, il y a des gens qui euh, n'aiment pas la coupe avec des manches un petit peu oversize et ce genre de choses. C'est vraiment... Euh, un choix de direction artistique dans euh, ce major là où on a voulu euh, faire un maillot un peu style classique pour peut-être concorder avec euh, la culture asiatique j'allais dire kimono mais pas forcément kimono vous voyez les trucs un petit peu larges etc oversize et surtout avec euh, des euh, des typos un petit peu asiatiques ou carrément écrit en chinois avec écrit euh, shanghai major etc pour euh, leur représentation et, et et le respect un petit peu l'assimilation à leur culture en ne dénigrant pas la nôtre avec les petits drapeaux français derrière dans le dos comme vous avez pu euh, le voir désormais parlons donc du euh, nouveau format du major alors euh, sachez que il y a le rmr donc le rmr c'est les qualifications et déjà pour aller arriver au rmr les gars il faut être déjà des monstres qu'on soit bien clair hein, parce qu'il y a des à la base il y avait des open qualifiers etc maintenant c'est basé sur le classement valve des équipes qui sont invitées au rmr il faut être dans le top 16 europe dans le top 8 na dans le top machin asie et, et ce genre de choses donc il faut être bon toute l'année pour être qualifié au RMR. Quand tu es au RMR, ça se déroule en Chine, c'est ce qu'on vient de vivre. D'accord Et on est en Suisse format. Trois victoires pour passer au Major, et il y a 24 slots au total, 17 en Europe, euh, 3 en Asie, euh, 6 ou 7 en NA, dont les Brésiliens et dont les Nord-Américains, donc vous avez compris, c'est un peu tout ça. Bon, je dis ça de mémoire, hein. les calculs sont peut-être pas bons, il me manque une ou deux équipes, mais en gros, vous aurez compris comment ça se passe. Et donc, euh, avant, tu avais 3, -0, euh, 3 victoires, 0 défaites, tu allais directement en Legend Stage. Legend Stage, c'est une étape qui te fait éviter l'Opening Stage, donc laissez-moi vous montrer ce que c'est que l'Opening Stage. C'est ça l'opening stage. L'opening stage, c'est encore le major avec 16 équipes qui vont se tabasser les unes contre les autres. Enfin, euh, euh, non, 24 équipes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous voyez, il en manque 6. Euh, Et donc, c'est 6 équipes européennes. Dans ces 6 équipes européennes, c'est euh, du classement précédent. Donc, en gros, toutes les équipes qui sont en 3-0, donc là pour le coup, euh, c'était Vitality, euh, Mouse, euh, 3D Max, Big, etc., devaient jouer directement le Legend Stage. Directement le Legend Stage. Et en gros, si tu te qualifies encore une fois euh, du Legend Stage, tu vas en, en, en playoff. Sauf que, ils ont défini euh, les classements maintenant qui allaient être attribués non pas par les victoires au RMR ou quoi que ce soit, mais par le classement Valve. Ce qui veut dire que, regardez bien la douille monumentale que c'est, et je pense que c'est une injustice, mais genre, euh, je déteste en fait ce format-là, parce qu'en fait on n'aura plus ce genre d'histoire où 3D Max est en 3-0, où Big est en 3-0 et donc se qualifie directement en Legend Stage. Là par exemple, cette année c'est le cas, on a Spirit qui s'est qualifié en 3 victoires 2 défaites et qui donc devrait passer par l'opening stage et donc devrait se rebattre encore une fois parmi euh, parmi ces équipes là, là. parmi euh, MIBR -E Liquid, Heroic etc et devait refaire encore une fois trois victoires pour aller en, en, en Legend Stage et bien maintenant non, sachez que Spirit par exemple ils sont 4ème mondiaux donc ils sont directement en Legend Stage le top 8 va directement en Legend Stage. Et euh, le top 8, comme vous pouvez voir, donc on va faire régional Ranking en Europe. Le top 8, regardez, hop Et nous, 3D Max, on est top 11. Donc on aurait dû sauter. Seulement, Saw so ne s'est pas qualifié. Liquid étant NA, Eternal Fire ne s'est pas qualifié. Donc nous, en fait, on passe devant Saw. So, on passe devant Liquid et on passe devant Eternal Fire et on est 8e au classement, maintenant, européen. Donc, on va quand même être en Legend Stage pour 3D Max. Mais ce n'est pas le cas pour Big Big, ils sont 15e mondiaux. Ils sont où là Oui, ils sont 15e mondiaux, Big, à l'heure actuelle. Ça veut dire que Big, qui est à 3 victoires, 0 défaite, eh bien, ils vont passer derrière Spirit, qui fait 3-2. Ils vont passer derrière G2, qui font 3-1. Ils vont passer derrière Heroic. Ils vont passer derrière FaZe, qui sont en 3-1. Alors, ils font mieux que 4 équipes qui sont. Meilleur que Big, pour le coup, c'est vrai. Mais privilégier le classement comme ça, bah ça va surtout privilégier les gros, les mastodontes, les écuries qui ont des budgets en millions, qui sont des grosses écuries, qui vont être qualifiées tout le temps, qui vont être invitées tout le temps, et donc sécuriser des points toute l'année. Quand tu es automatiquement en fait, invité à Cologne, Katowice, Dreamhack, ESL, machin, Pro League, ou quoi que ce soit, que tu es partenaire de la Pro League, même si tu finis dernier de tous ces tournois, tu gagnes de l'argent. Et donc, tu gagnes des points. Et donc tu es dans le classement mondial. Dès lors que tu es dans le T2 dans le T3, tu dois faire les qualifications, dès que tu perds un match, c'est fini, tu prends pas d'euros de cash prize, rien du tout et donc tu ne cumules absolument aucun point. C'est pour ça que c'est très très dur en fait de rentrer dans le T1. C'est pour ça que c'est aussi un faux mensonge, une fausse vérité de dire le tournoi euh, le, le circuit Counter-Strike, c'est un circuit ouvert. C'est un circuit ouvert, mais on voit qu'on le ferme quand même de plus en plus, pas tout le monde peut se qualifier comme ça au Major maintenant. Il n'y a plus d'opening qualifier. On est que sur des invitations au RMR. Et maintenant, quand on fait le RMR et qu'on fait 3 victoires, 0 défaite, on doit passer par l'opening stage. Ça veut dire qu'en fait, une petite équipe ne fera plus jamais de playoff. Elle doit réaliser l'exploit au RMR. L'exploit en opening stage. L'exploit en Legend Stage pour aller en playoff. Alors qu'on a déjà vu en fait des équipes qui vont directement en Legend Stage. Refont une belle performance parce qu'elle est en confiance et elle est en play -off. Elle fait un quart de finale, elle perd contre un gros, mais au moins elle a fait un quart de finale de major, une demi-finale de major. Rappelez-vous quand même du major à Bercy, à Paris, que nous on a vécu. On a Gamer Legion, Into the Breach, on avait euh, euh, Monté. Il y avait quand même beaucoup d'équipes qui sont allées en play -off. Je pense que ces parcours-là, on les verra plus. Alors attention, un bien, un mal, ce qu'on gagne, on le perd, ce qu'on perd, on va le gagner aussi ailleurs. Ce qui est bien avec ce format-là, c'est qu'en fait, on va voir, comme vous pouvez voir en Legend Stage, que du G2, du Navi, du Vita, du Mouse, du Phase, du Liquid, du Spirit, que du lourd, que du très lourd, que du très populaire, que du très attrayant, que du très bankable. Et donc pour les casus... 99% de, des gens qui regardent, parce qu'en plus c'est à l'instant T, c'est un événement mondial. Nous on va le regarder parce qu'on aime CS, mais il y a des gens qui regardent un peu de League of Legends, de Rocket League, de Valorant, etc. qui ne regardent pas tous les tournois, mais là pour le coup c'est le Major, ils vont le regarder un peu et ils vont voir toutes les grosses équipes. Et eux ça va les faire rêver et donc euh, et ça va faire de, 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 une, une, une giga audience parce que quand t'as un quart de finale, euh, G2 Navi, un autre quart de finale, Vita Phase, un autre quart de finale, Spirit, euh, Virtus Pro ou je sais pas quoi. Tu as, de la, as des grosses rivalités qui se créent entre les Européens, entre l'Europe et le NA, etc., etc. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une équipe européenne être vraiment rivale avec une grosse équipe NA dans un match en jeu, euh, dans, dans un gros stage Je ne suis pas euh, l'aigri euh, du coin juste pour vous dire c'est mauvais. Je vous ai apporté dans un premier temps ce qui était très mauvais et ce que je déplorais et que je suis même plus de cet avis-là. Mais je vous apporte la deuxième euh, vision sur tout ce que ça va apporter de positif et qu'en tant qu'amoureux de CS, en tant qu'amoureux un petit peu de l'esport et, et de ma scène entre guillemets, euh, c'est pas la mienne mais je fais partie de ça, on fait tous partie de ça et ça va nous apporter du bien les gars, ça va nous apporter une vague de popularité, ça va nous apporter eh bien, du storytelling euh, entre guillemets scripté quoi on, on essaye de, de, de scripter, euh, de, de minimiser l'aléatoire, de minimiser les chances de voir euh, des petits, entre guillemets, qui sont forts. Mais bah, je suis désolé, regardez, 3D Max, on s'est qualifié. Euh, Big s'est qualifié. Passion UA s'est qualifié. Si on va en quart de finale, passion UA vs 3D Max, ça fait rêver personne. Moi, ça me fait rêver. Toi, ça te, rêve... ça, ça te fait rêver parce qu'on connaît ces mecs-là. C'est mon équipe. Vous, vous me suivez, vous les suivez. On est français, etc. Pour les Ukrainiens, il va y avoir la même, euh, le même aspect pour les Ukrainiens. Mais les NA, les Asiatiques, vous voyez, à la big échelle, c'est un match qui ne va pas drainer de statistiques, on le sait très bien. Rappelez-vous du Major à Rio, la finale héroïque Virtus Pro, c'est un fiasco. Ces deux équipes ennuyantes, personne ne l'a regardé. En termes de stats, euh, je suis désolé, mais il y a des quarts de finale et des demi-finales, ou même des matchs en, en stage qui ont été plus importants. Des Vitality G2, des Navi, des Navi euh, Vitality avec euh, la rivalité Simple Zew. Enfin, Les gens veulent ça, en fait. Et on essaye de scripter petit à petit ça. Je n'aime pas le chemin que ça prend parce que c'est l'inconnu, parce que c'est de la nouveauté, parce qu'on a toujours grandi dans cette communauté de Counter-Strike où t'es fort, tu, tu, tu réussis, on te respecte, euh, t'es là, t'es invité, t'es machin, euh, t'es le copain d'eux, etc. On le déplore ça, on l'a toujours déploré, nous, euh, le piston, le truc comme ça. Bon, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Donc, euh, c'est dur, c'est dur. Et ce qu'on a vécu sur le RMR, on va le vivre en Opening Stage et en Legend Stage. C'est les mêmes formats. Trois victoires, tu passes dans le stage d'après. Trois défaites, tu dégages. Tous les matchs qualificatifs et éliminatoires sont en BO3. 2-0, 2-1, 2-2. 0-2, 1-2, 2-2. Et tous les autres matchs sont en BO1. Donc 0-0, 1-0, 1-1, tout ça c'est du BO1, et tous les matchs qui te permettent de te qualifier, ou tous les matchs qui vont faire que tu sois éliminé, sont en BO3. C'est entre guillemets le format le plus fair où tu joues du BO1, tu joues du BO3. Et toutes les équipes se cannibalisent entre elles. Toutes les équipes en 1 victoire, 0 défaite se jouent, toutes les équipes en 2-0 se jouent, toutes les équipes en 2-1 se jouent, et ainsi de suite. Euh, mais il euh, y a du vol de seed en fait. C'est pour ça que quand tu. Pour le parcours de 3D Max, ça a été très dur pour nous parce qu'on a dû jouer vraiment que du gros. Alors que Big, il y a des gens qui déplorent un petit peu leur participation parce que pour le coup, Big, ils ont joué. Euh, je, je digresse un peu les gars. Mais euh, Big, par exemple, ils ont joué. Euh, allez, on va regarder vite fait Big. En fait, ils se qualifient au major. C'est ce que disent les gens. Tu vois, ils se qualifient au major en 3-0, certes, mais ils, en fait, ils battent Sachi. En BO1, c'est une équipe clairement concurrent direct. Héroïque, c'est au-dessus d'eux un peu quand même. Mais bon, ça bat Heroic en BO1. Tu vois, les gens, ils disent Ouais, mais c'est un BO1. Tout peut arriver en BO1 sur un MR12. Et derrière, en BO3, ils, ba ils battent Passion UA, quoi. C'est. Alors que quand on voit euh, les, les frères 3D, les, les guerriers, euh, les, la, le French CS, regardez, nous c'était vraiment la guerre. Hein. Déjà, on a TSM en concurrent direct, c'est une équipe du top 20-25 monde. BO1, c'est dur. Eternal Fire, top 10 monde. Et G2. Top un monde, dernier champion au titre des Blast, de Dallas, de machin, etc. Et on doit les battre, les battre en BO3. Donc c'était quand même très dur. Ce qui fait que notre histoire, en tout cas, c'est pour ça que je l'aime plus que celle des autres. C'est que on y est arrivé vraiment euh, à la sueur de notre front. quoi. Donc félicitations encore aux joueurs. Je les embrasse très très fort. Normalement, je devrais aller en Chine les gars, donc peut-être que vous allez avoir du vlog, peut-être que vous allez avoir des news sur place. Continuez de vous abonner. En tout cas, merci pour votre soutien. À très bientôt.